Bonjour et bienvenue à Jeff sur la coche en direct. Je suis Jeff sur la coche. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, l'important de ce que je vois, les petites boules vertes sont en train de se promener. J'imagine que ça veut dire qu'il y a du son. Je vais vous dire bonjour avant de vous expliquer pourquoi est-ce que la définition du direct est si mauvaise. C'est une histoire assez rigolote, j'imagine, quand c'est pas vous qui la vivez, là. C'est-à-dire, moi, je suis Jeff sur la coche. Mais je dirais plutôt que je suis la personne qui fait les vidéos sur la chaîne Jeff sur la coche, qui les fait les montages, qui les télécharge sur la chaîne Jeff sur la coche. J'ai jamais voulu faire croire que mon nom, c'était Jeff sur la coche ou que c'était un personnage. Ou c'est juste, avant toute chose, le nom d'une chaîne YouTube, un nom accrocheur, un nom qui reste dans l'esprit quand on... Pour Dieu sait quelle raison. Ouais. Mais... Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la qualité de l'image et du son, sûrement que le son n'est pas tout à fait ce que... Ah, oh, ça griche, hein? OK. Okay. Il y a comme une vibration. Le son est évoqué, sa fibre. Est-ce que c'est mieux, là? Non? Je sais pas quoi faire. OK, bon, on va espérer que ça tienne le coup. Je me sers d'un petit, mon petit micro, mon premier micro, qu'on appelle ça, le micro que j'avais acheté chez Bureau en Gros en 2016, quand le micro intégré de l'ordinateur était rendu capote. Donc là, j'espère juste... Ah, il y a comme... OK, ça ne marche pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Non, j'ai monté mon téléphone. Ah, ben. Je suis juste à côté du Wi-Fi. Peut-être si je voulais mettre l'autre bord. Et misère. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Parce que le problème, c'est peut-être parce qu'il était à côté du Wi-Fi. Puis aussi, le ventilateur du laptop pitch de l'air. Fait que, on va espérer là, que ça tienne. À chaque fois que ça marche pas, dites-moi là, parce que là, la qualité du direct, ça passe avant toute chose par le son. Hein. J'aurais dû y penser avant, mais c'est que, comme je vous expliquais, c'est que... La webcam de mon ordinateur sur lequel je fais les vidéos a été hackée. Donc, j'y ai plus accès pendant un temps indéfini jusqu'à ce que je paye une rançon de quelque chose comme, je pense, 3 000 $ en bitcoins. Puis, donc là, je suis obligé de venir sur le petit laptop que mon frère m'avait donné il y a quelques années. C'est un vieux laptop, là, tu sais, il s'arrête pas de me dire de mettre à jour la protection antivirus. Je sais pas ce que ça signifie. Là. Puis, vous savez, à chaque fois que je clique sur quelque chose sur cet ordinateur-là, ça me dit « Ce fichier est corrompu. » Bon, tant pis. On oublie ce fichier-là. À chaque fois que je clique sur un programme de logiciel, ça me dit « ce programme est corrompu. » J'allais dire, je vais finir par me fâcher. Je vais finir par me fâcher à un moment donné. Il ne faut pas se fâcher contre un ordinateur, surtout qu'en ce moment, les ordinateurs sont encore des ordinateurs qui n'ont pas d'émotions. Quand les ordinateurs auront des émotions, on va pouvoir commencer à faire un peu de chantage émotif. Pour l'instant, là, ça ne sert à rien de se fâcher contre une machine. Je m'excuse pour que l'image n'est pas si belle qu'elle devrait l'être, que le son est à côté du ventilateur, ça fait un peu placé. Donc, j'espère juste que là, on va pouvoir aller au bout du programme sans faille. Donc, le clavardage, merci de participer au clavardage. Si vous avez des questions, je vais essayer de tout y répondre. Donc, si je vous skip pour Dieu sait quelle raison, c'est probablement juste parce que je vous ai pas vu. Puis, répétez votre question. N'ayez pas peur de répéter votre question si vous tenez à avoir une réponse. Donc là, ici, j'ai comme quelqu'un qui m'a demandé « Jeff ou Kevin, ton nom? » Ben, mon nom, je l'ai déjà révélé dans un podcast
que mon nom, c'était Thierry, comme l'acteur Thierry l'Ermite. J'ai déjà révélé ça dans un podcast. J'ai fait ça, moi, des podcasts. Le son est pas bon. Éloigne-le des speakers. J'ai pas le... OK, bon. La question du son, là, ça reste important. Maintenant, je vais commencer en vous disant merci de vous être abonné à la chaîne YouTube tout au long de l'année 2020. C'est une année charnière pour la chaîne YouTube parce qu'on est passé de 700 abonnés à 1200. Puis là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est 1312. Donc, c'est des beaux chiffres, des vraiment beaux chiffres. Je dirais même hautement symbolique. C'est ce que je dis d'habitude quand on franchit des nouveaux caps. L'objectif 2021 en termes d'abonnés, ce serait quelque chose comme aux alentours de 20 000 abonnés. Parce que là, rendu là, ça devrait être exponentiel. Là. C'est la courbe. D'habitude, la courbe du YouTuber, c'est exponentiel. Vous vous souvenez de vos mathématiques, c'est l'exponentialité, ça fait ça de même, ça fait un cercle complet. Non, c'est pas vrai, j'ai poché mes mathématiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que à 20 000 abonnés, ce qui est vraiment l'important, c'est que je vais avoir des choses gratuites. Rendu un certain nombre d'abonnés, on reçoit des choses gratuites. Puis, quand je vais recevoir des choses gratuites, ben moi, je vais tellement en avoir, en accumuler, que je vais avoir besoin de m'en départir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages. Sur la chaîne YouTube, je vais dire, mettons, les commentaires. Je ne sais pas comment on fait des tirages. Enfin, je m'informe là-dessus, mais il va y avoir des tirages. Donc, pour vous pomper un peu, vous exciter par rapport à ce qui s'en vient en 2021, mais les tirages, c'est le fun. La chaîne va continuer à se développer sous trois grands axes. Manger. Le deuxième axe, c'est visiter des villes, observer des animaux, en particulier des oiseaux. Puis un peu à marge de ça, je vais continuer de dessiner ma passion pour les livres, ma passion pour les toutes sortes d'autres sujets comme le bricolage, le golf virtuel, les crimes sordides non résolus. Ça, c'est une de mes passions. Je n'ai jamais vraiment mis ça dans la chaîne YouTube. Nous avons peut-être une vidéo en 2018. Là. Mais c'est un sujet qui me passionne. Puis, donc, le premier axe, manger. Manger, parce que c'est vital, à tous les jours, je mange, donc c'est facile de faire des vidéos là-dessus, étant donné que, comme par exemple, il y a la vidéo qui s'en vient prochainement, c'est une vidéo où j'ai mangé quelque chose que j'avais jamais mangé de ma vie. C'est pas du crabe. Vous allez voir ce que c'est, je pense, samedi ou dimanche. Ça va vraiment être drôle. Deuxième axe, c'est visiter des villes, donc... J'ai visité Rouyn-Noranda durant l'été, quand on avait le droit d'y aller. Je ne sais pas si on n'a plus le droit d'y aller, mais mettons, en ce moment, maintenant, ce serait con d'y aller. Mais au mois d'août, ce n'était pas si pire. Donc, visiter des villes. Donc, quand ça va être possible de le faire, je vais avoir une auto comme celle-là ici, une belle auto antiquité, là, mais modèle nature, là, pas celle-là. Ça, c'est juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça va être. Ça va être une ancienne auto comme ça. Puis je vais faire... La tournée des villes du Québec. La tournée des villes du Québec avec ma petite auto. Elle ne va pas être petite, elle va être une vraie belle vieille auto comme ça. Modèle reconstitué des années 10. Puis ça va être une grande tournée du Québec où je vais aller serrer des mains, des soupers spaghettis. On va aller à Racine, on va aller à La Tuque, on va aller sur l'île d'Orléans, on va aller... En Gaspésie, on va aller partout. Dans ma vieille auto de type des années 10. Je connais c'est quelqu'un qui fait des autos comme ça, là, puis ça va comme être une. T'appelles ça une promotion. Tu sais. Je ne suis pas un grand tripeux de vieilles autos, mais tu sais, ça a un certain charme. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Le troisième axe, c'est observer des animaux. Donc ça, j'ai entendu parler d'un chien géant dans le lac Brome. Ça a l'air qu'il se promène autour du lac. Chien géant de lac Brome, ça va me permettre de faire autant la ville de lac Brome que le chien géant de lac Brome, que les canards du lac Brome. Fait que tu sais, à un moment donné, on fait des vidéos, là, ça prend, c'est du stock. Là, puis si tu peux aller à une place et faire quatre vidéos, ben tu le fais. Mais ça ne veut pas dire que je vais mettre les quatre vidéos une à la file de l'autre. Ça veut juste dire que
j'en profite du fait d'être à Lac Brome puis de manger un peu de canard. Non, canard. Je sais pas si je vais en manger. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui, il y a aussi les montagnes Chic-Choc où il paraît qu'il y a la présence d'une base extraterrestre. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais c'est que ça, la base extraterrestre, ça m'intéresse plus ou moins. Tu sais, que ce soit vrai ou non. Mais ce que je sais, c'est que l'effet de la base extraterrestre sur la faune locale des montagnes Chic-Choc est assez troublant. Donc ça, on va regarder ça. On va aller inspecter ça avec moi tout seul, là, finalement. Sur le plan personnel. Sur le plan personnel, parce que je pense que c'est important aussi quand on est un YouTuber, qu'on adresse un public, qu'il faut qu'on se mette à nu, qu'on soit authentique, qu'on dise un peu qui on est quand la caméra s'éteint, t'sais. Qu'on fasse pas juste des grimaces. Puis moi, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est ma résolution de 2021, ouais, c'est ça, c'est cette année, là, 2021, ma résolution. C'est une résolution qui va sembler un peu idiote, mais ça va faire du sens quand je vais l'expliquer. C'est que avant, je vais changer ma façon d'écrire mes E majuscules. Avant, je les faisais comme ça. Je ne sais pas si c'est du bon bord. Tu vois, je les fais comme un rond avec une paire de fesses au milieu, là. Ça fait plusieurs années que je me suis mis à faire mes E comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux recommencer à les faire comme ça. Bien droit. Le dos droit, là, comme ça. Bien comme ça. Bien droit. Donc, ça, c'est un objectif, selon moi, qui est atteignable. Fini les craques de fesses, puis on va se remettre droit, là. T'sais, on va commencer par remettre mes E majuscules droit. Puis moi-même, je vais corriger ma posture parce que là, ça fait trop longtemps que je suis une même. Tu sais, que je suis en train de développer une scoliose, de quasiment juste pour avoir plus de l'aide d'un ver de terre là, qui se promène, puis qui a juste de l'aide d'une limace là, dans la société. Là, tu sais, que. Au monde, n'a aucun respect pour toi quand t'as pas le dos bien droit comme ça. Là. Puis ça commence par la façon dont on fait ces E majuscules. Ça, c'est pas vraiment un problème si vous écrivez juste à la calculatrice ou sur votre téléphone. Les E sont déjà majuscules droit comme ça. Mais moi, j'écris beaucoup à la main parce que j'aime le geste. Je sais que c'est possible de le faire parce qu'il y a plusieurs années, je faisais mes deux comme ça ici. Vous voyez là? J'ai réussi à arrêter de faire mes deux comme ça pour les faire comme ça. Les vrais deux. Donc, ça, c'est mon année 2021 qui s'annonce assez difficile. Là, je vais juste me moucher le nez. Je m'excuse, j'ai un petit peu là. Il fallait que j'éteigne le calorifère pour. Même chose. Ben non, c'est pas la même chose. En tout cas, là, je m'excuse pour le clavardage. J'ai peut-être été un peu trop concentré sur ce que j'avais à vous dire. Salut, Jeff Suaka. J'ai déjà changé ma façon de faire mes deux. Ça prend environ 20 jours. Ben, c'est rassurant, mais je me souviens que quand j'ai changé mes deux, ça m'avait pris plus que 20 jours parce que je suis peut-être un peu plus... Est-ce qu'on peut pouvoir poser des questions? Poser des questions, je vais essayer de rester alerte. Là. J'ai déjà quand même fait une bonne partie de mon programme. Là. Je suis content de moi. Puis, OK, je vais juste aborder un autre point que j'avais, parce que tous mes points, je les ai mis sur mon rideau, là, c'est pour ça que je regarde en arrière de l'ordi. Est-ce que tu pourrais visiter des friperies dans les villes? Ah, c'est une bonne idée, ça savait qu'il y a des bonnes friperies dans le coin de Matane. Je vais aller voir ça. OK, c'est important aussi quand on fait du contenu web, c'est de toujours chercher à améliorer son équipement, de passer à la coche d'au-dessus. Je me suis donc procuré des nouvelles caméras pour la chaîne YouTube. C'est des caméras de sécurité. C'est les mêmes caméras qu'on trouve dans un centre d'achat ou dans une banque. Même que c'est plus ces caméras-là qu'il y a au Pentagone à Washington, mais ça a déjà été ces caméras-là. Donc ça veut dire que c'est sa coche. C'est des bonnes caméras. Puis le projet avec ces caméras-là, c'est de les installer une dans la cuisine, puis une dans la salle de bain. Puis éventuellement, quand je vais avoir un peu plus de sous, d'en installer dans ma chambre, partout. D'en installer partout dans ma vie. Question de faire un live stream 24 heures sur 24 de ma vie qui va s'appeler VidYouTuber.
Puis ça va être vraiment intéressant de montrer que c'est pas toujours rose, la vie d'un YouTuber en 2021. Donc, c'est des belles caméras qui m'ont... j'ai eu un bon deal, mais ça reste que c'est de la bonne cam, puis je pense que ça va améliorer mon contenu. Je ne peux pas juste se contenter d'avoir des bonnes idées. Il faut aussi avoir de la bonne technique. OK. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser. On me demande quand pour vie de YouTuber. Il me reste des choses à fignoler. Je pense que ça devrait être dans le courant de l'été 2021. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer au point suivant. OK, il n'y a pas de questions. Donc là, on va passer au point suivant. J'avais, au cours de l'année 2020, bonsoir, Kegs, je ne sais pas comment on dit le nom, mais bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'ai quand même pas mal abordé beaucoup de sujets à date. Donc, j'espère que la rediffusion va être écoutable. J'imagine que si la diffusion elle-même est écoutable, la rediffusion va être écoutable aussi. Même si au début, à ce qui paraît, le micro était à côté du ventilateur, ce qui causait beaucoup de parasites sonores. Donc, dans le courant de l'année 2020, j'avais créé une page Patreon. Là, j'ai oublié d'aller chercher le lien. Je ne sais pas si je vais être capable. Parce que Patreon, là, vous savez ce que c'est Patreon. Puis, à la base, de quoi il s'agissait, c'est que j'offrais aux gens de payer 1$ par mois pour recevoir un dessin personnalisé au pouce-mine par la poste. Mais c'était un dessin. Ce n'était pas un par mois. Parce que c'est... Puis aussi, finalement, c'est ce que les gens recevaient par la poste, c'était plus qu'un dessin. C'était aussi des croquis, des ciné sauvetures. Je ne sais pas si ça valait 1$ par mois. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que tu as reçu les dessins, une fois, il n'y a plus vraiment de raison de continuer à payer. Mais donc, je me suis creusé le ciboulot pour augmenter mon offre en contenu exclusif sur la page Patreon. Maintenant, je ne sais pas à quel point, c'est encore assez, c'est pas tant que ça, là, mais il y a des choses qui s'en viennent. Donc, pour l'instant, je suis en... Ce que je fais, c'est des vidéos de type de making of. Je ne suis pas très convaincant. Hein? Bonjour à Carl Deslauriers dans le chat. Bonjour à Starter Bender. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ce que je voulais dire, c'est que sur la page Patreon, je fais des podcasts exclusifs qui s'intitulent Confessions sur l'oreiller. Et puis ça, ces podcasts-là, c'est un podcast dans lequel je me colle la tête sur l'oreiller. Et puis, je me confie au micro jusqu'à ce que je réussisse à m'endormir. Qui veut dire que ça peut prendre 20 secondes comme ça peut prendre 15 heures. Mais ça prend plus quelque chose comme 10 minutes. Ou 5-10 minutes, pas plus que ça. Puis, donc là, c'est ça. Donc là, ce podcast-là, Confession sur l'oreiller, c'est tellement intime et personnel que je préfère le mettre en contenu exclusif sur Patreon. Maintenant, à savoir si ça peut convaincre des gens de s'abonner, ben, je ne sais pas. Mais moi, je pense que j'essaie juste de vous dire que je vais améliorer l'offre en contenu exclusif. Vraiment, vraiment très poche comme pitch, là, mais c'est pas mal ça. Puis j'aime ça faire des dessins aussi, donc je suis en train en ce moment de faire ce dessin-là ici. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, la caméra est vraiment nulle, mais... J'ai des exemples de dessins. Je sais aussi je les ai mis. Tiens, je les ai mis ici. Comme ça, là. Ça, c'est un chien avec des carottes. Ça, c'est un gars qui a perdu son bras. La caméra. OK.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a des gens qui sont en train de se batailler. Donc, c'est ça. Donc, oui, je sais qu'il y a des gens qui ont reçu leur dessin, qui m'ont dit que c'était, qui ont bien apprécié. Il y a des gens qui m'ont rien dit. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas apprécié ou si c'est juste parce que c'est correct aussi. Il y a des. Ce que je veux dire. Là, je vais voir, il y a des gens qui m'ont écrit. Écoute, Garfield, Pacha Royal avec la voix de Patrick Huard pour le Patreon ou pour juste pour le plaisir personnel. Mais je me souviens d'avoir écouté le premier Garfield. On écoutait ça en cours d'anglais. Mais on écoutait la version en anglais. Je ne sais pas si la version avec Patrick Huard est meilleure. En tous les cas, acteur pour acteur, je pense que Patrick Huard est peut-être une coche au-dessus que Bill Murray, hein, pas sûr, en tout cas, le gars qui faisait Garfield dans la version anglaise, là. Acteur pour acteur. Maintenant, après ça, pour ce qui est de la légende, si on peut en parler longtemps. Où as-tu trouvé ta poupée pour la miniature du live? Ben, c'est pas une poupée. Si vous parlez de la face, l'espèce de tête de singe qu'il y avait dans le jeton de poker, c'est qu'en fait, ça, c'était à l'époque, dans les années 2000, il y avait un site web où tu pouvais télécharger ta photo, puis ça te faisait une tête de singe. Puis avec mes frères, ma sœur aussi, on s'était mis à faire nos têtes de singe comme ça, puis on avait eu beaucoup de plaisir. Puis de tout temps, j'ai gardé deux photos de tête de singe, celle de mon frère Renaud en tête de singe et celle de moi en tête de singe. Je sais pourquoi j'aime ça des fois la mettre dans les vidéos ou dans les miniatures. Puis c'est pas vrai, c'est pas une poupée, c'est vraiment un montage. C'est à l'époque un site web qui était vraiment très à l'époque c'était vraiment cool, là. Mais aujourd'hui je sais pas si ce site-là existe encore, mais c'est le genre de truc que tu peux faire sur Snapchat ou sur Instagram ou sur TikTok, là, j'imagine. C'est maintenant il y a ça partout. Tu es rendu. Je ne vous ai jamais vu aussi ravissant. Ben, merci. Ben, c'est un beau veston qui appartenait à mon grand-père dans le temps qu'il faisait de la politique. Donc, à chaque fois que je mets ce veston-là, j'ai l'impression d'être en politique. Je ne savais pas que tu avais un Patreon. Ben, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup de publicité parce que j'étais pas certain que je trouvais que mon offre en contenu exclusif laissait à désirer. Maintenant, j'essaye de remédier à ça. Puis aussi, il y a les dessins. Si vous voulez un dessin, il y a une façon comme ça de se le procurer. Comme vous pouvez aussi m'écrire en privé, puis on peut en discuter. Il y a des gens qui l'ont fait. J'adore tes vidéos des oiseaux. Ben, je suis content qu'il y ait des gens qui les apprécient. C'est des vidéos qui n'ont pas nécessairement un gros succès les premières semaines, mais ils finissent toujours par accumuler les visionnements qui me permettent de me sentir bien avant de m'endormir le soir. Y a-t-il une raison pourquoi tu ne fais pas de live sur la chaîne de Kevin Brunure? Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas, je trouve que les lives, c'est le bon contenu pour Jeff Swakosh. Que c'est semi-improvisé, puis aussi, je ne me sentirais pas à l'aise de les laisser en ligne sur Kevin Brunel, je dirais, je trouve que ça c'est un contenu un peu, je dirais c'est vraiment improvisé, tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Moi et Plastic Pat, qui est un ami de la chaîne YouTube, moi et Plastic avons imaginé un live basé sur le poker. Aimes-tu le poker, surtout le Texas Hold'em? Je joue pas beaucoup au poker. J'étais vraiment très poche à l'époque quand on jouait à ça dans les classes d'école au lieu de faire nos devoirs. Puis ça, c'était avant les téléphones cellulaires, fait qu'on jouait. C'était vraiment. Il fallait qu'on joue en secret, là, avec des cartes. Peux-tu parler un peu de la politique de ton grand-père? Ben, une des politiques de mon grand-père, je pense, ça a été à propos du boulevard Choquette à Saint-Hyacinthe. Là. Il s'est bien gros impliqué là-dedans. C'est un conseiller municipal, donc c'est vraiment des choses très, très locales. Là. Le centre des loisirs, est-ce qu'on met un stop là ou on le met là, tu sais, ce genre de choses-là. La politique municipale. J'adore tes emplettes et tes critiques. Ton avis éclairé de l'offre agroalimentaire québécoise me guide à tous les samedis. Bon, je suis content de ça. Puis il y a une vidéo qui s'en vient qui va peut-être vous faire découvrir un produit québécois que moi j'ai découvert
par pur hasard. Puis je suppose que je vais en racheter, mais ça existe. Puis pas besoin d'offrir du contenu exclusif sur Patreon. Certains comme moi veulent juste t'encourager et te remercier de ton contenu. Ben, j'imagine, mais moi, je pense. La raison pour laquelle j'ai pensé d'offrir du contenu exclusif, c'est parce que je me suis moi-même abonné à des pages Patreon pour non seulement parce que je voulais encourager des artistes que j'aime bien, mais aussi parce que pour savoir comment on se sent de donner son argent à quelqu'un. Puis aussi, c'est vrai que je le fais, je ne sais pas si je le ferais par pure générosité, à quel point je le ferais s'il n'y avait rien en retour comme un contenu exclusif. Mais on se sent bien d'avoir un contenu exclusif, de se dire, hey, on est dans la gang, puis on a le contenu exclusif. Je ne sais pas si moi, ça va marcher de ce point de vue-là, mais je me suis rendu compte que moi, ça ne me faisait jamais ça de savoir le contenu exclusif. Donc, pourquoi pas proposer deux, trois affaires qui, de toute manière, n'auraient pas nécessairement leur place sur mes chaînes YouTube. T'sais. Parce que c'est trop personnel, parce que c'est pas autant, c'est pas travaillé de la même façon, disons. J'aimerais vraiment t'entendre dire son nom, c'est Matt. Mais le plus rapidement possible. Son nom, c'est Matt. 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 Je suis pas sûr de comprendre. Son nom, c'est Matt. 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 Je vais essayer. À quand le retour de ton pen? Mon pen? Des pest controllers avec mon frère? Ça m'étonnerait que ça arrive parce que, premièrement, mon frère a été désabusé par l'industrie de la musique. On a trouvé ça cruel, on a trouvé ça méchant. Ça nous a vraiment découragés. On espérait. Même les radios universitaires, on avait envoyé nos démo tracks à la radio universitaire de l'Université de Montréal, CUCM, quelque chose comme ça. C'était fait rire de nous. Donc, la musique, l'industrie de la musique, c'est terminé pour nous autres. Moi, je continue de faire mes petites chansonnettes, mais c'est pas vraiment de la musique. J'appellerais plutôt ça un cave qui s'amuse avec un clavier et qui essaye de mettre des phrases par-dessus la musique. Par-dessus l'espèce de musique qui en résulte quand on sait pas jouer de la musique puis qu'on tapoche sur différentes touches. Je déménage bientôt à Saint-Hyacinthe. À quel endroit pourrais-je trouver des poules pour mettre dans mon poulailler? Ben, ça, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'aux encans de la ferme, il y a peut-être des poules, ou sinon, moi, je ne sais pas comment on fait pour se procurer des poules. J'imagine que sur le groupe, Je déménage à Saint-Hyacinthe sur Facebook, qui existe sûrement. Peut-être que vous pourrez trouver des gens qui vont vous aider par rapport à ça. Ou sur une page Spotted, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça se pourrait. En tant que Montréalais, de quoi dois-je me méfier à Saint-Hyacinthe? Ben, ce qui paraît, à Saint-Hyacinthe, les gens sont snobs, les gens sont au-dessus, les gens se pensent meilleurs que tout le monde. Je le sais parce que je viens de Saint-Hyacinthe, puis je me pensais pas mal meilleur que tout le monde. Je suis vraiment content de revoir le podcast. Salut les alcoolos. Ben, je le sais, il y a des gens qui aiment bien ça. C'est un contenu que je propose sur ma chaîne Dollar la pièce. Salut les alcoolos. C'est ma chaîne sur laquelle je mets des... Sur ma chaîne Dollar la pièce, le processus de création est inversé. D'habitude, je prends les images, je fais un montage, puis après ça, je rajoute ma voix. Sur Salut les alcoolos, j'enregistre ma voix, puis après ça, je rajoute les images. Donc, c'est vraiment le processus complètement inverse de ce que je fais d'habitude sur ma page... Jeff Sacoche ou Brunure. Donc, c'est intéressant à cet égard-là. Aussi, je fais des top 10, je fais des top 3. C'est autre chose. C'est un autre projet là, que je fais à temps perdu pour... Salut les alcoolos. Il y a peut-être le podcast Ça n'a pas d'allure qui va revenir si je réussis à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Là. Ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'ennuient de ça n'a pas d'allure. Comment évalues-tu l'année 2020 sur 7? Ah, 3 sur 7, là. Je me suis débrouillé. C'est où que tu as pris ton inspiration pour les noms de chaînes YouTube? Pour Jeff Sacoche, je ne me souviens pas vraiment. J'avais juste
créer une chaîne YouTube parce que je savais que mon frère il commentait bien gros sur les clips de Marimé. Là, il était un peu troll dans son genre. Fait que là, il commentait ses clips de Marimé, des affaires. Puis moi, je me suis créé une chaîne YouTube juste pour aller lui répondre dans les commentaires des trucs pour le faire chier. T'sais. Puis il avait tout de suite su que c'était moi, fait que ça n'avait pas marché. Fait que c'est pour ça que la chaîne, elle date de 2011. C'est qu'à l'époque, j'avais créé ça juste pour faire des farces à mon frère, mais j'ai pas mis de vidéo dessus avant 2016, je pense. Ouais, c'est curieux comment que ça fonctionne, la vie. Hein. Pour Bruneux, je me souviens pas vraiment c'était quoi l'origine du nom. Là. C'est un nom loufoque. Pour ce qui est de Dollar la pièce, c'est qu'à l'origine, Dollar la pièce, c'était censé être une chaîne pour un podcast sur l'économie. C'est un podcast humoristique sur l'économie. Un peu mon avis sur les nouvelles économiques du jour. Puis finalement, ça a complètement dévié de tout ça parce que même pour en rire, l'économie, je suis pas capable de trouver les... Je suis trop nul pour ça. Là. C'est dommage. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Un taco, c'est-tu comme un hot dog mexicain? Ben, un hot dog mexicain, ça existe. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, de me prendre une coquille à taco, puis de mettre une saucisse à hot dog dedans, avec du ketchup, moutarde, chou. Moi, j'ai jamais essayé, puis ça me semble pas une idée tellement porteuse, mais je connais pas l'histoire des tacos. Faudrait se pencher là-dessus. J'imagine que la page Wikipédia des tacos permet d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Puis il y a probablement déjà des vidéos YouTube là-dessus qui sont très, très informatives. Vous me posez la question, j'aurais envie d'y répondre, mais je ne suis pas une encyclopédie, malheureusement. Si tu retournes en Abitibi, va voir le refuge Pajot. Ouais, j'ai été en Abitibi pour regarder des oiseaux, puis c'est vrai que je n'ai pas été dans beaucoup de refuges d'oiseaux. C'est quelque chose que j'aurais dû faire. En plus que j'avais un guide qu'on m'avait offert, qu'un abonné m'avait offert à propos de l'observation d'oiseaux, tous les endroits où aller pour observer les oiseaux. Puis j'ai même pas été dans un seul refuge, mais faut dire que c'est pas moi qui conduisais. Les gens ont trouvé des poussins dans leurs œufs de l'épicerie. Faut être chanceux. Oui, c'est vrai. Faut être très chanceux pour ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, puis je sais pas comment je réagirais. Coucou, ben, coucou Sonia. Merci d'être venu. Jeff sur la coche en direct. À quand les top 4? Ah, ben les top 4, c'est que top 3, c'est standard. Top 5 aussi. Top 10, ça font, c'est le monde clique là-dessus. Top 4, c'est plus rare. Mais je vais en faire des top 4, inquiétez-vous pas. Je vais faire des top 4. Il y a certaines choses comme que c'est juste 4 qu'on peut en trouver. Donc, ça risque d'arriver éventuellement. Qu'est-ce que tu fais pour combattre la page blanche? Ah, ben c'est bon cette question-là. Ça va me permettre d'aborder quelque chose. Je souffre présentement de la page blanche parce que j'ai régulièrement été talonné dans la section commentaires par Sacha Lachance. J'espère que ça ne dérangera pas que je le nomme. Il est souvent dans les sections commentaires. Vous l'avez peut-être vous-même déjà vu si vous lisez les commentaires. Et puis, Sacha Lachance me talonne pour que j'écrive les poèmes de briques. Okay, ça, c'est pas vraiment les poèmes de briques, mais c'est de ça que ça aurait de l'air si je les écrivais. Puis ce que je réalise, c'est que mes poèmes, ben, sont pas forts. Ils sont quand même carrément nuls à chier. C'est pas de la vraie poésie. Ça me fait du bien de les écrire, puis ça parle tout le temps de briques. Mais c'est, je sais pas si ça vaut la peine de juste mettre ça en deux couvertures, d'imprimer, de faire imprimer ça à Longueuil, puis après ça, de chipper ça, puis le monde va juste regretter d'avoir payé 15$ pour ça. Fait que moi, ce que je pense à faire, ce serait pour chaque poème, d'écrire d'où le poème me vient, pourquoi je l'ai écrit, qu'est-ce qui est l'histoire derrière le poème. Puis finalement, ce que je réalise, c'est que moi, j'ai grandi dans une maison en briques, une brique qui s'effritait. J'ai passé mon enfance à respirer de la poussière de briques. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon enfance. Donc, finalement, mes poèmes de briques, quand je vais avoir réussi à écrire qu'est-ce qui raconte chaque poème, ça va être carrément un mini-roman de ma vie.
de ce que ma vie a été de l'âge d'à peu près 3 ans, quand j'ai commencé à avoir conscience d'exister. J'ai pris conscience de ma vie quand mon frère m'a tapé sur la tête avec une brique. Donc, ça prouve que tout vient de la brique chez moi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est porteur. Puis je remercie Sacha Lachance de pas avoir lâché le morceau, puis de m'avoir talonné, puis d'avoir insisté pour que les briques se concrétisent. J'espère cette année être capable de combattre la page blanche qui m'afflige en ce moment, puis de mener à terme un projet d'à peu près 200 000 mots sur mes briques. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner cette année, puis que vous allez pouvoir tenir dans vos mains un petit livre là, qui va s'appeler « Poèmes de briques » par Kev Brunure. Ou... Ça risque d'être ça le nom sur la couverture. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, ça, c'est probablement ma dernière nouvelle, ma dernière résolution pour 2021. Un peu plus facile quand même que de modifier ma façon d'écrire mes E. Donc, OK. Les questions dans le clavardage, je ne vous quitte pas des yeux. J'aime bien ça n'a pas d'allure et ton ami cuif, je m'en ennuie. Bon, ben, ça va peut-être revenir. Je pense que ça n'a pas d'allure. Ça fait quasiment un an et demi qu'il s'est fermé la gueule, qu'il habite avec Isabelle, ou je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Sûrement que ça a mal viré, l'affaire. Donc, moi, je dis ça de même. Sûrement que ça a mal viré. Ça n'a pas d'allure. Aimes-tu manger? Oui, j'aime manger, mais je dirais que de plus en plus, je me filme manger. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dégueulasse. Tu sais, sincèrement, moi, ça m'est déjà arrivé. J'aime pas ça qu'on me regarde manger, puis pourtant, je me filme manger. C'est curieux que je fasse ça, là, considérant mon... Se filmer soi-même, manger, c'est quelque chose que je trouve vraiment étrange. C'est pour ça que j'ai jamais fait de mukbang, même si je le sais que les visionnements seraient au rendez-vous. Je pense que c'est quelque chose de carrément dégueulasse. Donc, pas de mukbang. Attendez-vous pas à ce que je me mette à faire des mukbangs. Comment tu as fait les covers de poèmes de briques? Ça a l'air vraiment tellement vrai. Donc, j'ai trouvé... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une image de briques sur Google Images, une image de briques en noir et blanc, parce que mon imprimante imprime juste en noir et blanc, donc ça ne pouvait pas être en couleur. Et après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans un logiciel de photos. J'avais mesuré préalablement pour savoir c'était quoi les largeurs, les hauteurs, largeurs, pour être bien sûr que ce soit le bon format. Puis j'ai imprimé ça avec mon imprimante. Mais j'imagine que c'est pas comme ça que les maisons d'édition le font. Hein. Ensuite de ça, tu as quel âge? J'ai 29 ans, puis cette année, ça va être l'année de mes 30 ans. Donc, 30 ans, c'est vieux quand même. C'est vieux. J'écoutais un extrait d'un film où tu vois un Beatles qui a passé une semaine couché. Je ne me souviens plus lequel. Puis quand il a fait ça, ce Beatles-là était, je pense, 2-3 années plus jeune que moi, je le suis en ce moment. Puis c'est là que tu réalises. Hein. Bon, on n'est pas tous les Beatles. Hein. Il y en a que c'est juste à l'âge de 66 ans qui atteignent leur sommet, le sommet de leur art. Puis il y en a d'autres que c'est à 24 ans. Donc, moi, c'était pas à 24 ans. Fais un Tinder et une série sur tes matchs Tinder. Ouais, ben là, ça je suis pas sûr, là, parce que premièrement, c'est que les gens sur Tinder sont pas nécessairement d'accord pour être dans une vidéo. Puis après ça, il faudrait que je leur demande de signer une décharge. Puis ce serait compliqué. Puis aussi, deuxièmement, c'est que je suis sur Tinder parce qu'en tant que créateur de contenu web, j'ai pas le choix d'être sur toutes les plateformes. Donc, je suis sur Tinder, Inge, Bumble, OkCupid, Plenty of Fish. Je suis sur toutes les applications de rencontres.
pour être présent sur les contenus, pour faire de la promotion de mon contenu web. Et puis, c'est sûrement mon choix de photo, ma description, un ensemble de tout ça qui fait en sorte que j'ai aucun match ou j'en ai un par 6 mois, puis que ce match-là, ça me répond 3 phrases, puis après ça, c'est avec son camp. Je suis pas très habile là-dessus. J'aimerais ça faire un sondage pour savoir d'où les gens viennent qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, combien viennent des applications de rencontre. J'imagine que c'est moins que 0,0006%. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Moi, je pense de toute manière que la meilleure façon de rencontrer les gens, c'est dans la vraie vie. Je vais éteindre cette lumière-là, je ne sais pas savoir. Je n'arrête pas de voir la face comme si j'étais un fantôme. Bon, c'est pas vraiment mieux. Et misère. Galette de sarrasin ou crêpe? Ben moi, je suis plus crêpe. Crêpe, là, pancake, type pancake, là, Aunt Jemima, puis ces affaires-là. Là. Jolie couverture. Où puis-je acheter ce livre? Ben, le livre n'existe pas encore. Le livre n'existe pas encore, mais il faut que je l'écrive. Donc, c'est l'année 2021. On va faire ça en 2021. T'sais. Écrire un livre 2021. Il y a du monde qui l'ont fait. Écrire un livre en moins qu'un an. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà fait dans la littérature. Quoique je prétends pas faire de la littérature. Là, faut pas exagérer. Où puis-je acheter ça? OK. À quand remonte ta dernière relation? Là, on s'en vient dans les questions personnelles. Ça remonte à plus que 10 ans. Moi, je suis quelqu'un que les relations, c'est fling-flang, puis on passe à autre chose. As-tu déjà matché avec une fan sur Tinder? Ben, à ce que je sache, non. Des gens qui savaient j'étais qui, mais je ne pourrais pas dire que c'était des gens qui sont des fans. Là. C'est un gros mot, ça, fan. C'est un gros mot, ça veut dire être abonné à mon Twitter, ce qu'à peu près personne ne fait. Je ne veux pas vous faire sentir mal de ne pas être abonné à mon Twitter parce que je tweet pas beaucoup, là. Ah bon, alors tu es célibataire? Ben oui. Le célibat, la vie de célibataire en 2021, c'est autre chose. Hein? Moi, je t'ai vu sur Grindr. Ben, ça se pourrait que c'était pas vraiment moi. Moi, sur Grindr, j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'ai entendu dire que c'était vraiment très, très orienté sur le cul. Moi, je préfère garder ça. En tout cas, pas comment l'expliquer, tout ça de même, c'est ce que j'ai entendu dire. Je me souviens plus comment je t'ai découvert. Oui, c'est ça, des fois, on se souvient plus. Il y a des gens que je regarde leurs vidéos, puis je me souviens plus vraiment comment que ça s'est passé. Ah, poème de briques, je veux dire. Oui, mais c'est ça, le poème de briques n'existe pas encore, cher PM, et c'est pas encore tout à fait au point. Comptes-tu faire une vidéo Snapchat volume 4? Oui, j'ai accumulé beaucoup de Snapchat depuis la dernière compilation. Donc, il va y avoir une compilation Snapchat 4, mais je ne sais pas s'il va en avoir après ça d'autres, parce que là, je vais peut-être vraiment faire le switch, aller sur TikTok. Là. Ça me déchire le cœur, mais des fois, il faut être de son temps. Puis maintenant, ben, c'est sur Twitter, sur TikTok que ça se passe, pas sur Snapchat. Puis ça va être sur TikTok, il y a aussi des masques de chats, puis en plus de faire du lip sync, c'est vraiment. J'en ai vu quelques-uns, ça m'a fait rire. As-tu conservé tes jouets d'enfance? Quel était ton jouet préféré petit? Ben, j'ai conservé mes peluches d'enfance. Moi, j'avais une peluche de singe qui s'appelait Singe, puis j'avais une peluche d'un petit singe qui s'appelait Bébé Singe. Mon frère avait un gorille, mon autre frère avait un carcajou, ma sœur avait Milou. On faisait un jeu qui s'appelait Bébé Singe et Milou. Puis ce jeu-là, ça consistait en des aventures de ces deux peluches-là. Donc, ça, on les a gardés. Ma sœur a encore son Milou. Moi, j'ai encore mon Bébé Singe. Mais un de mes jouets préférés enfant, c'était un Winnebago. Un Winnebago miniature. Là. Puis ce jouet-là, ma mère l'a donné à l'entraide diabétique. Elle a tout gardé les Barbies. Mais le Winnebago, qu'est-ce qu'elle a donné d'autre? Mes Fisher Price,
l'île de Robin des Bois ou la forêt de Robin des Bois que j'avais ça, là. Tout à l'entrée diabétique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Le diabète, c'est un problème. Faut s'entraider par rapport à ça. Moi, je me demande si tu as acheté du stuff pour les bébites. J'en vois quelques-unes passer derrière toi. Ben, c'est des coccinelles, hein? Puis les coccinelles, c'est bon pour l'environnement. C'est bon. Les coccinelles, c'est bon. On ne tue pas une coccinelle, c'est les bébites du bon Dieu. Donc, je ne tue pas les coccinelles, je les garde. J'essaye de les. Il faudrait que j'aille une plante ou deux, tu sais, question de qu'il n'y ait pas juste à manger de la poussière, mais j'ai jamais été un gars à plantes, donc. Fait que si je suis pas abonné à ton Twitter, je suis pas un vrai fan. Alors, c'était une plaisanterie, évidemment, que qu'est-ce qui caractérise un vrai de vrai fan? J'en ai aucune idée. Sincèrement, j'en ai aucune idée. J'imagine si vous regardez les vidéos, puis que même quand vous trouvez ça plate, vous vous dites, bah, c'est correct. Ça, c'est un fan. Je sais pas. Moi, des fois, je me sens comme ça. Tu sais, même quand il y a des gens que j'aime bien, tu sais, même quand ils font quelque chose que je trouve plate, je me dis, bah, c'était eux, puis, ou elle, ou peu importe. Puis j'ai trouvé ça. J'ai trouvé bien. Bien agréable de juste passer un 3 ou 4 minutes avec cette personne-là. J'imagine que je suis un fan de ces gens-là. Tu souhaiterais avoir un match avec une éditrice? Alors, je ne sais pas si ça m'aiderait tant que ça, mais c'est vrai que on est très. Je ne sais pas avec qui j'aimerais ça avoir un match. Peut-être juste avec quelqu'un qui a du pouvoir dans la grande tour de Radio-Canada et qui pourrait. Mettre mes vidéos en ondes sur Radio-Canada, j'imagine que ça aiderait beaucoup la chaîne YouTube, ça. Mais bon, c'est. Faut pas lâcher le morceau, hein. J'ai fait un Joe Louis Free, c'était ordinaire. Ouais, ben, je pense pas que ma vidéo voulait laisser croire que c'était génial. Pas trouvé ça mauvais, mais moi, j'en ai trop mangé. Je crois qu'il y a moyen de mieux le réussir que moi, je l'ai fait. Mais moi, c'est parce que en se filmant, en le faisant, ça m'empêchait d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, il y a ça aussi. Mais je pense pas que je vais en refaire parce que c'est compliqué. Quel est ton jeu vidéo favori? Ben, présentement, moi, c'est un jeu qui s'appelle Franchise Hockey Manager. Donc, tu joues avec ton équipe de hockey, puis. Misère, hein, je t'ai dit, hein, c'était. Je m'excuse pour la qualité de l'image. C'est que ma webcam sur mon autre ordinateur a été hackée. Je suis pogné sur mon vieux laptop. Au début du direct, le son était terrible. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Mon jeu vidéo favori, c'est Franchise Hockey Manager. Mais quand j'étais enfant, c'était un jeu qui s'appelle. C'était quoi mon jeu préféré? Je dirais que c'était Donkey Kong. Là. Donkey Kong Country 3. Les coccinelles sont des prédateurs, donc tu as raison de ne pas les tuer. Ben, je suis content de savoir ça. J'en ai déjà tué. Je vais admettre que j'ai déjà tué des coccinelles. Je ne suis pas fier de moi, mais quand ils t'arrivent dans la face, puis les coccinelles suintent une espèce d'urine. Ben, je pense que je vais rallumer cette lumière. On essaye ce qu'on peut. Hein. Donc, les coccinelles. Est-ce que tu as une mangeoire d'oiseaux? Moi, je n'ai pas de mangeoire d'oiseaux, mais il y a des voisins qui en ont. Donc, je peux observer des mangeoires d'oiseaux par la fenêtre. Ou sinon, je peux aller au cimetière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo d'observation d'oiseaux, que j'étais allé au cimetière, puis il y avait une mangeoire d'oiseaux au cimetière, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Quand comptes-tu passer à la HD? Ben pour les directs, j'étais déjà passé à la HD précédemment, mais là, c'est que ma webcam a été hackée. Donc, je suis pogné pour revenir en 480p. Donc, on essaye de tirer le maximum de jus de ces 480p-là. On va essayer, puis j'espère que c'est pas trop grave. Puis non, c'est pas juste une blague. C'est vraiment vrai que ma webcam a été hackée. C'est quoi le gros tojon en arrière de toi à droite? Bon, je peux vous montrer un rideau jaune. C'est un rideau. Parce que je vais bientôt changer mes rideaux. Non, en fait, c'est un rideau que j'avais acheté pour faire un décor pour mon direct. Jeff Suakoche fait du yo-yo.
Puis, ben, c'est ça, je m'en suis jamais resservi depuis ce temps-là. Oh, j'ai le nez qui coule, c'est épouvantable. Ça prendrait quelqu'un pour te plugger au combat des mots. Ouais, ce serait le fun. Ça, je sais même pas ce que c'est, puis ça serait vraiment le fun. C'est quoi ton opinion sur Henri et sa gang? Ben moi, j'aimais ça dans le temps. Là. J'écoutais l'émission quand ça jouait à Télétoon. Je n'étais pas un aussi grand fan que, par exemple, des Simpsons ou des les premières saisons de Family Guy. Là. Dans le temps, ça, ils appelaient ça les Griffins. Moi, je me souviens des premières saisons, on appelait ça les Griffins. Puis là, c'était le doublage français. Puis on trouvait ça drôle, c'était le fun. Puis à un moment donné, ça l'a arrêté. Puis là, ils sont revenus avec une version québécoise que j'ai jamais regardée. Donc, je ne peux pas dire si c'est bon ou non. Mais ça... Tu t'es-tu amélioré au yo-yo? La réponse est non. Je ne l'ai pas ici avec moi parce qu'il est à côté de mon autre webcam, mais c'est toujours pas mal bien que du monde descend. Ok, fait que tu as déjà des fans obsessionnels? Non, mais je pense que c'est plus du hacking de type comme celui qui a eu lieu chez Yahoo, quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment du hacking plus... le banditisme international qui fait du hacking pour avoir des rançons. Y a-t-il des émeutes similaires à celles des États-Unis au Québec en ce moment? La réponse, c'est pas d'émeutes. Il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui sont en colère, qui vont devant le Parlement, qui manifestent. Mais c'est pas la même chose. Par contre, ils sont probablement très d'accord avec les émeutes de Washington. Est-ce que j'ai passé des questions? En tout cas, je sais pas. Je propose un top 10 des personnages de dessins animés japonais. Comme tu n'écoutes probablement drôle, tu pourrais être intéressant d'avoir l'opinion d'un personnage à qui cette culture est inconnue. Ben, les dessins animés japonais, je connais juste les plus... ceux que tout le monde connaît, là, Miyazaki et ces choses-là. Donc, c'est vrai que mon opinion sur la question ne doit pas être particulièrement informée. C'est parce qu'ils sont tous sur Netflix, fait que tu peux les regarder. Mais j'en ai écouté beaucoup, mais je pense que mon opinion sur la question reste assez celle de quelqu'un qui y connaît rien. Moi, je suis encore vraiment plus Betty Boop, puis quel autre dessin animé que j'aime bien gros regarder? Le dessin animé Charlotte's Web. Moi, j'aime bien gros Charlotte's Web. Tu trouves pas ça stressant de faire des lives? Ben oui, quand même, je trouve ça vraiment très stressant. Là, en ce moment, je suis au bout de mes nerfs. C'est pour ça que je ne le fais pas si souvent que ça. Pour ça aussi que quand je le fais, j'essaie de préparer beaucoup de choses. Comme là, j'avais préparé que j'étais pour vous lire des extraits de Denise Bombardier, Jackpot, Plaisir et misère du jeu. J'avais même préparé plein d'extraits au cas où j'en ai pas assez de choses à... Peut-être que ça va être pour un prochain direct, parce que là, on arrive pas mal. Il y a beaucoup de questions, puis je pense pas que ça sert à grand-chose d'interrompre ça pour lire du Denise Bombardier, même si c'est un de ses meilleurs livres en carrière. Je pense qu'on va continuer de jaser comme ça. Puis c'est pour ça que moi, en faisant un direct, je n'en admire que beaucoup plus mon ami Plastic Pat, qui fait ça quasiment 3 ou 4 fois par semaine sur son Twitch. Je t'imagine bien écrire un roman comme pour de vrai. Oui, ben, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. J'ai déjà écrit des histoires de plus que 2000 mots. Mais rarement, les romans, c'est quand même autre chose. Hein? Puis aussi, il faut avoir un plan. Il faut savoir comment que ça finit. Bon, tout ça, c'est même pas vrai. Il y a beaucoup de romanciers qui commencent sans savoir comment que ça va finir. Ransomware, ouais, c'est ça, c'est la rançon. La rançon d'avoir une webcam, c'est qu'on finit par se la faire hacker. C'est quoi ma vraie job? Ma vraie job, c'est un peu n'importe quoi. Là, je peux être concierge comme je peux être commis de dépanneur. C'est pas mal rien que ça que je peux faire. Ton décor fait chalet rustique, c'est beau. Ben, c'est vrai que c'est du bois, hein. J'essaie des fois de varier la sauce parce qu'à un moment donné, on finit par cette année de voir tout le temps le même décor dans une vidéo. C'est pour ça que je déplace des meubles ou je mets des rideaux comme ça.
Serais-tu prête à flirter avec la production de vidéos plus mainstream, mais moins originales pour faire plus d'audience? Je ne sais pas si j'en serais capable. Je dirais que c'est un peu ce que j'essaie de faire des fois quand je fais mes top 10, puis ça ne fonctionne pas vraiment. Fait que, tu sais, je sais pas si je serais capable de faire des vidéos plus classiques qui font de l'audience. D'ailleurs, c'est difficile de déterminer qu'est-ce qui fonctionne sur l'Internet puis qu'est-ce qui fonctionne pas. J'imagine que ça fonctionne pas si mal quand on est rendu à 1000 abonnés. Aimes-tu l'émission Les Chefs? Je n'ai pas regardé Les Chefs. Ça fait des. Sauf il y a plusieurs années, parce que j'habitais chez mes parents, puis ma soeur, ma mère, tout le monde écoutait ça. Fait que des fois, par hasard, je passais à côté, puis je regardais un peu. Mais je peux pas dire que. Je peux pas dire que j'écoutais beaucoup cette émission-là. As-tu déjà fait du théâtre ou de l'impro? Non. Jamais fait d'impro. Le théâtre, on a fait des petites pièces de théâtre en secondaire 5. Il fallait qu'on fasse une mini pièce de théâtre. Christ, c'est mon nez, hein. Il fallait qu'on fasse une mini pièce de théâtre en secondaire 5. Ouais, c'est ça. Mini pièce de théâtre en secondaire 5. Puis c'est moi qui avais écrit un peu l'essentiel de ce qu'on avait joué. Puis c'était. Je sais pas si j'ai plus ça dans mes fichiers. Ça fait longtemps que j'ai perdu ça, mais c'était tellement épais. On était quatre gars. Puis on jouait le rôle de des femmes enceintes. C'était cave. On a eu une bonne note, je pense 90%. Acteur et actrice actuelle préférée. Ben, tantôt, on a parlé de Patrick Huard. Je pense que c'est un acteur. Non. Pour de vrai, mon acteur préféré, c'est. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Quelqu'un que je manque aucun de ses films. Mathieu Almaric. Que j'ai bien aimé dans le film de James Bond. Comment il s'appelait ce film-là? Je me souviens plus, mais c'était le méchant dans un film de James Bond. Est-ce que tu lis des BD? J'en lis un petit peu, mais pas tant que ça. Faudrait que j'en lise plus. As-tu déjà lu les bandes dessinées de Takatakata? Je ne les ai pas lues, donc de Takana Takata, Takata Takana. Il va falloir que je les lise avant de les critiquer. Donc, participerais-tu à un podcast de sport comme invité si tu en avais l'occasion? Ben, moi, chaque fois qu'on m'a invité à un podcast, j'ai accepté, c'est-à-dire une fois. Au podcast de 70% en octobre dernier. J'ai bien aimé l'expérience. C'était très agréable. Donc, si un podcast de sport m'invitait, sûrement que j'irais. Aimes-tu les échecs? Oui, j'aime les échecs. J'aime le jeu d'échecs. Je trouve ça intéressant, mais je n'ai jamais été capable de jouer tant que ça. As-tu déjà pensé t'inscrire à l'émission Un souper presque parfait? J'y ai jamais pensé, non, j'ai jamais pensé à ça. Je sais pas si ça joue encore cette émission-là, je savais pas. C'est que moi, je suis pas un assez bon cuisinier pour faire un bon repas. Puis je suis pas assez mauvais pour que ça m'amuse de faire quelque chose de trop mauvais. Fait que ça me ferait chier de passer pour un cave. Puis aussi, je suis pas très sociable. Je pense qu'il faut être. Faut être quand même sociable là, pour passer des heures avec des inconnus. Là. Non, ce serait rough. Ce serait rough sur mon système. Quel est ton quartier, coin préféré de Saint-Hyacinthe? Ben moi, je suis natif du quartier Sacré-Cœur, proche de l'école secondaire Fadette. Donc, c'est mon quartier préféré, mais j'aime beaucoup le quartier du centre d'achat puis le quartier industriel, où ce que le géant. Tu aimes les échecs, mais préfères-tu les dames? Je peux pas dire que je préfère les dames. Ben Stiller. Ah, c'est un bon acteur, Ben Stiller. Il est beaucoup dans les pubs sur le Yémen ces temps-ci. Je trouve que c'est une bonne cause de sa part de participer à ces pubs-là. T'aurais dû continuer comme metteur en scène.
Ben, c'était pas vraiment moi le metteur en scène. On était vraiment un groupe où on s'est vraiment fusionné dans cette optique-là de jouer des. De jouer les. De faire la pièce. Déjà 1 heure, ça passe plus vite qu'un film, j'adore. Oui, ça fait déjà 1 heure. J'avais pas vraiment fixé de temps, mais on va quand même s'en aller vers la conclusion graduellement. Oh, le nez qui me mord, ça n'a pas de sens. Quelles sont tes prédictions pour du bon bœuf de Brésil, le souper presque parfait? Oui, ça serait intéressant, ça, c'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'il l'autoriserait. Quelles sont tes prédictions pour la division canadienne dans la prochaine saison de la LNH? Moi, je pense que... j'ai pas beaucoup suivi ça. Je sais pas c'est quoi la constitution des équipes, mais je pense que... Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'espère? J'aimerais ça que Vancouver fasse une grosse saison. Est-ce qu'un Européen qui s'installe en Amérique du Nord risque d'avoir un choc culturel tellement les habitudes et produits sont différents? Ben, ça dépend de quel pays, j'imagine. Il y a beaucoup de pays d'Europe. Si c'est la France ou la Belgique francophone ou la Suisse francophone. Ou, si vous parlez français, il n'y aura pas vraiment de problème. Ou je m'imagine que je connais quand même des gens dans mon entourage de famille qui ont vécu la transition assez facilement. Donc, j'imagine que le choc culinaire... C'est sûr que les pains baguettes, ça a l'air que les pains baguettes, il y a des gens de la France qui sont venus au Québec qui ont... que juste à cause des pains baguettes vendus en épicerie qui ont décidé de sacrer leur camp. Mais ça, c'est des histoires des années 90. Je pense que les pains baguettes se sont un petit peu améliorés depuis ce temps-là. Écoutes-tu de la musique québécoise? Oui, j'écoute beaucoup de musique québécoise, en particulier la musique d'accordéon des années 50, 60, Jacques Labrecq. J'apprécie beaucoup, plus récemment, j'apprécie beaucoup de Cyr le Coyote. C'est vrai que j'ai déjà entendu sa chanson sur le toit cathédrale à la radio. J'avais trouvé ça très, très touchant. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'artistes québécois qui méritent qu'on s'y attarde, surtout en ce moment. Là. Des fois, je fais rouler sur mon Apple Music de la musique québécoise juste pour qu'il y ait un peu plus de clics sur leur musique. Là. Plutôt, c'est une façon de donner au suivant. Fallait le dire que ça fait 1 heure. Fallait pas le dire que ça fait 1 heure. Ouais, ben je le vois, moi aussi, ça m'écrit sur l'écran que ça fait 1 heure. Mais tant qu'il y a des questions, hein, moi, je vais continuer d'y répondre. Est-ce que tu participes à des pools de hockey? Ben, j'ai déjà participé au pool de RDS. Je pense que ma meilleure position que j'ai faite, c'est en 2009. J'avais été dans le top 2000. Donc, on était loin du gros lot. Hein. Je suis pas bien bon en pool de hockey. Préfères-tu le billard ou les pichenottes? Ben moi, je préfère le billard parce que les pichenottes, ça fait un peu mal aux doigts. C'est peut-être aussi parce que je bois pas assez de lait, mais mes ongles, j'ai souvent mal aux ongles quand je fais trop de pichenottes. Est-ce que tu as un compte OnlyFans en tant qu'utilisateur et non créateur de contenu? Non, je n'ai pas jamais encouragé qui que ce soit sur OnlyFans. Mais il n'y a rien de mal à le faire si ça vous... J'imagine. Il n'y a rien de mal à le faire, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment la question. Bonjour. Que penses-tu de la controversée et médiatisée chanteuse québécoise Michèle Richard? Ben, Michèle Richard, j'ai quand même beaucoup de respect pour l'artiste, la personnalité médiatique. J'aime beaucoup aussi le travail de son père, le violonneux Tiblan Richard, qui est à l'époque une grosse vedette à la télévision Sherbrooke dans les années 50-60. Donc, pour ça, je trouve que quand même, elle a grandi sous l'œil de la caméra dès son plus jeune âge. Elle était dans les émissions de la télévision Sherbrooke. Donc, c'est vrai que là, on entend moins parler, mais il me semble que, je sais pas, on a besoin d'être ça, il me semble, des personnalités colorées. Dans le monde du spectacle. Tu penses quoi de la de COVID-19? J'en pense. Je pense que c'est bien terrible. Hein? Je ne sais pas quoi dire.
Je sais pas quoi dire sur ce sujet-là, je m'excuse. J'aurais dû planifier le coup parce que c'était sûr qu'il en serait question, là. Mais j'ai toujours pas évolué ma pensée sur le sujet. Fumes-tu du pot? Non, je ne fume pas de pot. J'en ai déjà fumé une fois, dans le temps que c'était illégal, il y a presque 11 ans et demi. J'ai encore échappé mon stylo. J'arrête pas d'échapper mon stylo. Peut-être qu'une technique pour que ça fasse moins mal. Les pichenottes, ouais, c'est sûr que des gens qui jouent aux pichenottes comme Gary Bob dans Ramdam, si vous vous souvenez de l'émission Ramdam avec Gary Bob qui était un champion de pichenottes, sûrement qu'il y a une technique. Faudrait demander à l'acteur qui jouait le rôle de Gary Bob dans l'émission s'il y a une technique. Peut-être qu'il le sait parce qu'il a dû s'informer sur le sujet s'il était acteur studio. Il devait absolument s'informer sur le sujet de la pichenotte. Ça fait partie de ce qu'un acteur doit faire quand il se prépare pour un rôle. Qu'est-ce que tu penses du monde qui sont véganes? Ben, j'en pense rien en particulier, c'est-à-dire le fait qu'ils soient véganes ou non, est pas parti, est pas, est, je, c'est pas quelque chose que je devine, tu sais, en regardant une personne. Si les gens le sont et qu'ils veulent me faire sentir mal de manger de la viande, ben c'est leur droit aussi, c'est correct. Quoi en penser, tu sais? On peut en discuter longtemps. As-tu mangé ou connais-tu des spécialités culinaires natives canadiennes? Je sais pas si on dit ça comme ça. Bon, je sais pas s'il y a un terme de la bouffe canadienne, là. Ça existe des fois. Il y a des restaurants que c'est ça qui va être écrit. Mettons, dans le Vieux-Québec, ça va être écrit cuisine canadienne. Ça pourrait être intéressant que tu fasses une vidéo sur la cuisine canadienne. Ben, c'est beaucoup de ragoût, de pâtes de cochon. C'est des sauces brunes très grasses, du steak haché, qui est mis dans des espèces de boules. C'est beaucoup de ça, là. C'est bon, mais c'est pas exactement santé. Ce serait cool que tu actives la fonction don de YouTube. Tu pourrais t'encourager monétairement pendant le live. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. Je ne sais pas si je peux l'activer parce que ma chaîne n'est pas. Je monétise pas ma chaîne parce que je mets trop de musique avec des. Qui ont des. qui ont des droits d'auteur. Je mets trop de musique qui ont des droits d'auteur que j'ai pas d'autorisation. Puis ça va falloir que je modifie ça parce qu'il y a peut-être des gros changements là-dessus qui vont arriver sur YouTube. Puis j'ai pas envie de perdre mes chaînes YouTube juste pour ça. Donc je vais essayer de mettre plus de la musique libre de droit ou trouver des sites qu'il faut que tu payes un abonnement pour avoir accès à une librairie de musique, là, tu sais, des trucs. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des bonnes musiques des années 30, 40 que tu peux plus mettre parce qu'ils appartiennent à Warner ou je sais pas quoi. Tant pis, on va trouver autre chose. De toute manière, la musique, c'est plus pour moi, parce que moi, quand je fais le montage, je réécoute la même musique 150 fois. J'aime ça quand la musique me plaît, là. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas activé la monétisation de la chaîne, mais ce que je pourrais faire, c'est mettre le lien PayPal, mais tu sais, en même temps, je suis pas ici pour quêter, tu sais, je suis vraiment juste ici pour faire un direct, puis vous remercier de vous être abonné à la chaîne YouTube, puis de participer dans les commentaires, ou juste de regarder, ou juste de, mettons d'avoir partagé la vidéo sur votre page Facebook, c'est très apprécié, si vous l'avez faite, puis qu'il n'y a personne qui a aimé, même si vous l'avez fait, c'est pas grave. Ça aide le contenu, tu sais, ça lui permet de l'amener au niveau supérieur de. Si je raconte. As-tu une copie de l'encyclopédie de la cuisine canadienne de Joanne Benoît? Ben, ma grand-mère, c'est pas mal sa Bible, donc je pourrais lui emprunter ou j'imagine que maintenant ils l'ont réimprimé récemment, donc je pourrais juste l'acheter. Ouais. Je devrais peut-être l'acheter, ça m'aiderait, tu sais, de faire un peu de contenu pour les gens de l'Europe là, qui s'intéressent à ce qu'on met dans notre popote au Québec, là. Puis au Canada français en général, de la Saskatchewan jusqu'à Terre-Neuve.
Viens-tu souvent à Québec? J'ai vu que tu étais à Charlevoix lors de ta vidéo sur le Dixie. Ben, je venais régulièrement, c'est un bien grand mot, je dirais 2, 3 fois par année, parce que mon frère habite à Québec, dans la capitale nationale. C'est là qu'il habite. Donc, pour lui rendre visite, il fallait que je me rende à Québec, en toute logique. Donc, pour cette raison-là, ça m'arrivait quand même 2, 3 fois par année d'aller à Québec. Mais là, cette année, je suis juste allé. L'année 2020, je suis allé une fois à Québec en février, avant que ce soit ce qu'on appelle la crise, là, la crise de la pandémie. Mais ça serait mal vu si j'allais à Québec demain, mettons. Ça serait mal vu, puis pas vraiment autorisé. Mais quand ça va redevenir le monde normal, le monde où on peut juste se rendre à Québec, ben là, je vais le faire. Je vais aller à Québec sûrement pour aller voir mon frère. Puis peut-être que je vais l'écrire sur mon YouTube. Je vais être à Québec, aux Galeries de la Capitale, à 15h30. Puis là, tout le monde qui va avoir envie de venir flâner au centre d'achat avec moi, ben, vous viendrez. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça en tant que YouTuber. Ça peut peut-être mener à des accès, mais peut-être demander l'autorisation du centre d'achat avant. On verra. On n'est pas rendu là, en tout cas. Je me disais une affaire, on n'est pas rendu là. Là, je pense que j'ai manqué des questions. Bouffe canadienne et québécoise sont deux choses très différentes. Le Canada extra-Québec a-t-il vraiment une cuisine traditionnelle? Ben, ça, il faudrait voir. Hein? Qu'est-ce que Louis Riel mangeait dans sa prison? On pourrait faire ça, le menu de prison de Louis Riel. Je pense qu'il a jeûné. Hein? Je ne connais pas l'histoire de Louis Riel aussi bien que je devrais. Mais est-ce que c'est considéré, c'est métis, Louis Riel? Ouais. Mais ça reste que ça pourrait être intéressant. C'est vrai que là, il ne faut pas mélanger toutes les affaires. Hein. Le Québec, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que le Canada français en 1950. Tu penses quoi du quartier La Providence à Saint-Hyacinthe? Ben, c'est un quartier que j'aime bien. Je connais des gens qui y habitent. Je trouve que c'est un beau quartier. Mais ouais, dans le temps, on allait jouer au golf de la Providence. Il y avait un terrain de golf à la Providence qui était plus abordable, plus économique que celui à Douville. Donc, avec ma gang, on allait jouer au golf à la Providence. Puis, j'ai déjà fait un trou d'un coup. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je raconte? C'est de la fiction, ça. As-tu déjà pris l'avion? Oui. Première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller à Walt Disney World à l'âge de 5 ans. Deuxième fois que j'ai pris l'avion, c'est à l'âge de 7 ans, je suis allé à Paris. Ça, c'est de l'autre bord de l'Atlantique. Je ne sais pas si c'est de ce bord-là ou de ce bord-là, mais je suis allé à Paris à l'âge de 7 ans. Il fallait prendre l'avion pour ça. Puis je suis allé à Moose Jaw à l'âge de 13 ans. Donc ça, Moose Jaw, c'est en Saskatchewan. C'est une petite ville où il se passe pas grand-chose. C'est la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était cette fois-là à l'âge de 13 ans. Donc ça fait quasiment... Ben, ça fait 17 ans. C'est chouette. Ouais, c'était il y a 17 ans. Hein? Ça fait longtemps. Ouais. Il y a la vraie par native canadienne. Je voulais plus dire amère indienne. Genre les peuples qui étaient là avant l'arrivée des... OK, oui, native canadienne. OK, je m'excuse d'avoir mal compris. Je n'avais pas compris ça de cette façon-là, oui. Oui, ça existe sûrement, mais en même temps, il y a probablement déjà des... Je sais pas si c'est moi le mieux placé pour faire ces vidéos-là, étant donné que je connais pas grand-chose sur... Mais je sais que... Mais c'est possible de le faire, oui. Je vais m'informer sur la question. La bannique, très populaire l'hiver. Les popcorn, hein? Les popcorn, c'est amérindien, je ne sais pas. Si la bouffe t'intéresse, comme contenu, il y a aussi l'encyclopédie de la cuisine de Nouvelle-France qui est géniale, mais peut-être moins ton créneau, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adressait ou à Cantona Libre, mais merci de toutes ces belles informations-là. Si tu repasses à Québec, définitivement, dis-nous-le, un meet and greet serait bien. Mais oui, ce ne sera pas pour tout de suite. Ben, c'est ça, ben, ouais, ben, sûrement quand je vais être à Québec, il va. Je pense qu'on va appeler ça un meet and greet, mais je peux bien dire que je vais être là. Hein. Partout, je ne vais pas souvent.
seras pas là. Des conseils sur l'usage du mouchoir de poche. Ouais, ben là, je ne pourrais pas trop vous dire. J'ai toujours eu un problème de morveau au nez, moi. C'est... Fait que là, je suis comme un peu rendu au bout de mon Kleenex. Il est tout déchiré. Moi, je pense que je vais m'acheter des Kleenex réutilisables éventuellement. J'ai essayé, comme mon frère m'a dit, avec des vieilles chemises, puis ça me fait mal au nez. Fait que je pense que le mieux, ce serait de m'acheter des vrais mouchoirs de poche comme mon grand-père avait, puis, ou a toujours aujourd'hui, puis de m'en servir. Plutôt que d'acheter des 150 boîtes de Kleenex par année, puis que c'est terrible. Hein? Un film que tu as vu récemment, que tu as particulièrement aimé, que tu recommanderais? Ben, hier soir, j'ai écouté un film qui s'appelle Panic. C'est avec de 1946 avec Michel Simon dans le rôle de Monsieur Ir. Puis ça raconte l'histoire. Il y a un meurtre dans une petite ville en France. Puis on pense que c'est Monsieur Ir qui l'a fait. Là, il y a toute l'espèce de populace qui s'acharne sur lui. Puis c'était un film que j'ai bien apprécié. Sur Criterion Channel, si vous avez Criterion Channel, c'est pas mal la seule plateforme de diffusion en ligne que je vais dessus ces temps-ci. Parce que je suis un peu. J'aime les films. J'aime ça les films comme ça. Là. Plus anciens. Ou même il y a des films récents, comme il y avait un film sur professeur de philosophie que sa vie est un peu. Que sa vie chamboule. C'est qui s'appelle L'Avenir. Mais ça, je ne le recommanderais pas nécessairement. Ça m'a fait rendre compte à quel point la philosophie, ça me faisait chier. Ton centre d'achat préféré, pourquoi? Ben moi, je dirais le centre d'achat de Saint-Hyacinthe, les promenades, ça s'appelle les Galeries Saint-Hyacinthe. Puis c'est le centre d'achat de mon enfance, donc c'est probablement mon préféré. Sinon, les promenades Saint-Bruno, que j'aime bien. Puis j'ai déjà été au West Edmonton Mall. Puis ça, c'est un centre d'achat qu'il y a des glissades d'eau dedans, une montagne russe. C'est le plus gros centre d'achat au Canada. En Amérique du Nord aussi, je pense. Mais là, je pense qu'à Dubaï, il y a un plus gros centre d'achat maintenant, ou en Chine. Mais en termes de centre d'achat, tu sais, qui fonctionne, qui a vraiment des boutiques dedans, là, c'est quelque chose. C'est vraiment une grosse affaire. Puis j'ai bien apprécié de visiter ça à l'âge de 15 ans. J'ai adoré ça. Tout ce genre de choses. À l'époque, je filmais rien. Bon, on filmait des affaires avec mes frères, mais on n'a pas pensé, tu sais, qu'on n'était pas vlogueur dans l'âme. On n'a rien, presque rien vlogué. Mon frère, on avait filmé des choses à Winnipeg dans le temps. Puis je ne sais pas s'il les a perdus ces séquences-là, mais c'était intéressant parce qu'on marchait à Winnipeg, puis c'était juste ça, puis on n'a pas fait ça plus souvent, mais c'est dommage. Donc là, on parle beaucoup des mouchoirs. Je m'excuse que vous ayez de vous avoir. J'aurais dû dire que c'était du papier, que c'était du Kleenex. C'est même pas du Kleenex, c'est du Scotty, ça. Non, même pas, c'est du personnel. La marque personnelle qui est la marque vendue dans les gens coutus. Puis c'est pas des bains bons Kleenex. Qui est ton réalisateur préféré? Ben moi, j'ai déjà souvent dit que c'était Luc Moulet. C'est un réalisateur de films français des années qui a commencé à faire des films au début des années 60 dans la foulée de la Nouvelle Vague. Qui était un critique au cahier du cinéma. Et puis, il a fait des documentaires, des films de fiction, des documentaires un peu rigolos, mais en même temps, il y a des plus sérieux dans certains cas. Là. C'est pas toutes des farces, mais il y en a beaucoup que vous pourrez trouver sur YouTube s'ils n'ont pas été enlevés depuis la dernière fois que je les ai regardés. Documentaires comme L'Empire de Médor sur les chiens. Documentaires comme... Il y a un documentaire sur qui s'appelle... La cabale de l'oursin sur les terrils, les terrils, qui étaient comme des montagnes de produits miniers qu'il y avait, je pense, dans le nord de la France, où c'est des commentaires un peu rigolos. Je pense que vous allez, si en les regardant, vous allez peut-être comprendre en quoi ça m'a inspiré et que ça m'a donné envie de faire des vidéos comme je l'ai fait. Donc, voilà pour mon réalisateur préféré.
Luc Moulin. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup la trachée. Place Versailles. Oui, la place Versailles, j'aurais dû y penser. C'est le centre d'achat de mon frère. Bonne année. J'espère que le mouchoir est confortable, très confortable. Bonne année à vous, Danny Gray. Merci d'être venu faire un tour. C'est-tu toi qui vends des t-shirts de Jésus? Non, je ne vends pas de t-shirts de Jésus. Je ne sais pas qui fait ça. Je ne vends pas de t-shirts. J'ai déjà songé à faire mes propres t-shirts avec des designs vraiment intéressants. J'avais présenté ça dans un de mes directs, mais ça n'avait pas soulevé l'engouement que j'espérais. Malheureusement, pas de t-shirts, mais des t-shirts de Jésus, ça, je ne sais pas qui fait ça, mais il y en a sûrement une trollée, là. As-tu vu Queen's Gambit sur Netflix? J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air vraiment, vraiment bon. Je vais sûrement le regarder un de ces jours. Je me souviens de Tiger Tig, Tiger Tig, le tigre, le roi des tigres, là, que ça avait bien gros été populaire. Je me souviens d'avoir regardé ça en avril. Apparemment, le dernier truc que j'ai regardé sur Netflix. Ouais, le dernier truc. Quel repas aimes-tu manger le plus quand tu veux vraiment te gâter avec quelque chose de bon? Ben moi, quand j'ai envie de me gâter, je m'achète des pizzas pochettes. Une boîte de 14 pizzas pochettes, puis je passe au travers en 2 jours et demi. Fait que j'en achète pas souvent parce que c'est pas bien bon. J'essaie d'éviter les repas congelés ces derniers temps, ces derniers mois, ces derniers mois. Mais là, ce que je vais manger à soir, quand le live va être terminé, dans quelque chose comme 8 minutes, là, à 18h30, je vais quitter le direct. Puis je vais vous dire au revoir. Et donc, on va essayer d'aller une belle heure pile, comme 1h30. Je vais me préparer des tortellini à la sauce rosée. Sauce rosée du Giorgio, qui est quand même une bonne sauce rosée, je trouve. Puis, c'est ça qui va être. J'ai aussi du pain. Je vais peut-être manger un morceau de pain. Quel repas? Ah oui, j'ai déjà dit. C'est bon, les pizzas pochettes, ta sorte préférée. Moi, je mange juste celle au pepperoni. 3 fromages, 2 fromages de trop. J'en mange pas. De luxe, j'aime pas les piments. Je les rote pendant une journée. Donc, moi, c'est pepperoni. J'aimais celles au pepperoni bacon dans le temps, qui ont arrêté de faire après qu'ils aient changé la recette, puis qu'ils soient revenus à l'ancienne recette à cause que tout le monde trouvait que la nouvelle recette était dégueulasse. Vous vous souvenez de ça, hein? La pizza, ils avaient changé la pizza pochette. C'est tellement niaiseux. Ça fait penser quand il y a le Coke, en fait, le nouveau Coke. Plus, avant, ils vendaient les pizzas pochettes dans des boîtes de 4. 4, c'est un repas normal. Maintenant, ils vendent ça soit dans des boîtes de 3, ou des boîtes de 6, ou des boîtes de 14. Puis souvent, ça revient moins cher d'acheter la boîte de 14. C'est tellement niaiseux. En tout cas, est-ce que tu vends tes illustrations? Ben oui, ben, c'est-à-dire. Il y a une solution pour en avoir, c'est de s'abonner au Patreon. C'est automatique. Vous avez accès à un dessin personnalisé que je vais envoyer par la poste avec un mot écrit. Et puis, c'est une façon d'obtenir un dessin. Sinon, vous pouvez m'écrire à Jeff Sacoche, au commercial gmail.com. Puis, si vous voulez un dessin, on peut en discuter. Ça peut être un dessin plus sur du beau papier que je vais faire avec des crayons de couleur. Si je vais colorier comme ça. Ça, c'est peut-être plus coûteux que juste un dessin aux poussemaines que j'enverrai par la poste parce que s'il y a plus de travail dans un dessin que tu fais avec un crayon de couleur, ça prend plus de temps. Puis, je ne dis pas que c'est cher, là, mais imaginez-vous, si vous n'êtes pas prêt à payer plus que 75$ pour un dessin en couleur. Ben, je pense pas que ça soit possible parce que là, ben, en même temps, je vais le faire de toute façon. On verra. J'aime pas ça mettre des prix sur ces choses-là, sur l'art. Je trouve que c'est ça que ça gâche l'art, sur le geste, la pureté de l'artiste. Mais en même temps,
Là, c'est pour ça quand il faut que ça prenne fin parce que je bafouille, je cherche mes mots. Un moment mémorable, l'abolition des pizzas pochettes classiques. Je me souviens avoir signé une pétition pour le retour tellement c'était un move stupide de la part de McCain. Ah oui. Je me souviens pas de la pétition, mais je me souviens que j'avais fait une vidéo de critique là-dessus. Ça a été une de mes premières vidéos critiques qui est encore disponible sur la chaîne YouTube. Puis c'est la dernière vidéo que j'avais faite avant de créer Kevin Brunure qui est... Tu sais, ça, je m'éloigne un peu. Là, ça, je me rapproche. Là, je m'éloigne. Je me rapproche. OK. C'est quoi cette histoire de pizza? Est-ce que c'est en France aussi ou juste au Canada? Ben, je pense que c'est juste au Québec. Ben, pas au Québec, au Canada au complet. Là. Ben, je sais pas c'est quoi la relation du Canada en général avec les pizzas pochettes. Je sais qu'au Québec, c'est particulier. Pizza pochette, là, ça a juste une musique qui est différente que pizza pocket. Fait que je sais pas à quel point... Mais les boîtes de 3, c'est du vol. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi cette histoire? Attends, c'est quoi ton nom sur Patreon? Ben, le Patreon, c'est... ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le lien puis le copier-coller dans les messages. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de faire ça. Mais si vous cherchez Patreon, Kevin Bruneux, Jeff Swacoche, vous devriez le trouver. Ou sinon, sur ma page YouTube, si vous allez sur mon channel YouTube, je l'ai mis dans les liens. C'est dans, il y a une liste de liens, mettons Instagram, Facebook, Patreon. Oh, c'est, si c'était intentionnel, ce serait magique, mais c'est vraiment pas intentionnel. Y a-t-il des Français ici? Ben, je pense qu'il y en a deux ou trois là qui ont interagi dans le clavardage. Et puis, merci beaucoup à tous les gens de la France et de l'Europe de venir regarder les vidéos YouTube. C'est très apprécié. Un jour, je vais aller en France. Je vais aller goûter à ça, les hamburgers des restaurants Quick. Ça a l'air que c'est très, très bon. Bonjour, monsieur. Jeffrey sur la coche. Bonjour, élève moyen. Merci d'être venu. Là, c'est presque terminé, mais au pire de la rediff, j'espère que ça va être à peu près écoutable. J'espère bien. Es-tu dans une secte, on me demande. Non, je ne suis pas dans une secte. J'ai jamais embarqué là-dedans. Jamais embarqué dans une secte. J'ai jamais été dans une église. J'ai déjà été, pas catholique, mais j'ai déjà été baptisé, communié, faire sa première communion, là, c'est ça que je veux dire. Mais je ne suis pas dans une secte. Bonne soirée, Jeff. Au prochain live, c'est toujours plaisant de discuter avec toi. Ben, merci, Félix, d'avoir été présent. Bonsoir. Salut, Roxane. Merci d'avoir été là. Merci pour tes questions. Oh. Dis-moi quand tu viens, ben ça, la France, c'est pas pour demain la veille, mais je vais peut-être venir dans mon petit pédalo. On va aller faire un petit tour en France. Je connais deux, trois personnes en France, donc on pourra. J'imagine que j'aurais pas à payer trop d'hôtels. Ce que j'espère. Non, c'est pas vrai. J'irai pas coucher chez le monde. Non. C'est exactement ce qu'un chef de secte dirait, Mohamed. Peut-être pas une secte, mais une société secrète. Moi, je pense qu'il y a une différence entre secte et société secrète. Je voudrais bien être au sommet d'une société secrète, mais une secte, c'est complètement autre chose. Oui, c'est vrai. Là, on approche de l'heure et demie. Donc, c'est le moment de dire mes mots de conclusion. Je les avais écrits ici. Donc, merci d'avoir été là pour cet épisode de Jeff Swacoche en direct. J'espère que ça va vous avoir donné envie de rester abonné pour l'année 2021. Et puis ça, ce que ça veut dire, c'est que des directs, j'en fais quand l'envie me vient. J'espère que le prochain direct, ma webcam, ça va être réglé et que je vais pouvoir retrouver une vraie qualité, tant au niveau audio que de l'image. Puis c'est... Quand ils vont me donner des idées. Si vous me dites que Denise Bombardier, ça vous intéresse, on va peut-être en lire quelques extraits sur les femmes et le jeu, sur des choses comme ça. Parce que quand il me vient une idée, d'habitude, ça va assez vite. Avant-hier, je ne savais même pas que j'étais pour être en direct.
Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, j'imagine qu'on va, on va trouver moyen de bien s'amuser pour l'année à venir, malgré ce qui se passe. Là, on fait ce qu'on peut. Puis, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis, à la prochaine. Musique de... Je vais mettre une musique pour terminer. Ça va faire plus... Ça va mettre la... J'espère que Mozart, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. 0, 4, 5... Non, non. 0, 4, 5. OK. Tu sais, on en a parlé. Cette fois-ci, c'est bel et bien la fin. Merci beaucoup. On se revoit dans la prochaine vidéo.